Ah, faut, j'ai vraiment intérêt à trouver des soins. Dommage que je puisse pas les cultiver, ces putains de plantes. No. Ouh. J'en ai pas besoin. Je crois qu'il n'y a qu'une porte que l'on puisse ouvrir là. Non. Ou alors c'est... Non. Ah oui, c'est ça. Il n'y en a qu'une qu'on puisse ouvrir pour l'instant. On peut ouvrir, c'est pareil. Maudit corbeau. Il faut vraiment des spinels n'importe où dans ce jeu. Pas un truc là, non. Y aurait pas un nid? Est-ce que je vais gâcher ma dernière grenade pour ça? Oh, il avait rien sur lui. Pourtant, c'était un corbeau juif. Alors, j'ai hâte d'avoir Ashley pour pouvoir accéder à cette salle. Vous verrez bien pourquoi. Ah, j'ai pas réinitialisé le chrono. Ah, c'est dommage. C'est le seul moment où elle sera utile dans le jeu et c'est pas maintenant. Grenade, à défaut de pas avoir de vie ni de munitions, on a des grenades. Je vais déjà recharger ça. On sait jamais, dans les moments d'urgence. On va en avoir un dans pas longtemps de moments d'urgence d'ailleurs. Peut-être pas un truc là, non? Non. Alors. Oh non! Oh non, pas ça. Mais galère, et merde, oh merde. Un fusil à pompe obligatoire. On peut pas passer. Mr. Kennedy, still alive, I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Louis, who's the other? Huh. They're an intruder besides me? Mais oui. Alors, en fait, pour préciser, dans Resident Evil, quand vous faites le jeu en mode facile, il y a plein de trucs que vous n'avez pas, genre le jardin où il est fermé et la porte est déjà ouverte. Ou quand on arrive à l'entrée, il n'y a pas besoin d'aller chercher la clé là où Ashley s'est fait enlever. La porte est déjà ouverte, il y a plein de passages qu'on rate comme ça. Alors. Mais honnêtement, ce passage-là, je m'en passerai bien. Le problème avec ce labyrinthe, c'est que déjà c'est un labyrinthe, mais qu'ensuite il est bourré de chiens. Putain. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. J'entends des bruits au loin. Je vais y aller à deux à l'heure. C'est vraiment de la merde ces grilles. Ah, pépère, t'es coincé. Ah! Mais ta gueule! Oh le coup de pute! Putain,
J'espère qu'ils ont prévu d'autres boîtes de cartouches fusil à pompe sur ma route, parce que là je vais pas tenir sinon. Le pire c'est qu'ils peuvent traverser les aussi. Ouhou, je suis heureux. Je déteste ce passage. De toute façon, je déteste tous les monstres petits et vicieux, donc c'est fait. Je crois que j'ai raté un truc. Ah bah oui. Ah, ça peut servir. J'en avais pas vu depuis le début du jeu où je les ai tous gâchés. Qu'est-ce que j'ai pu niquer en soin dès le début quand même? Voilà. Le chien, je le bute avec mon fusil à pompe et il me laisse des... Bah... Des balles pour fusil de précision. Pareil, ça, qu'est-ce que ça fout là? Je vais tous ces bruits. Ça. Oh putain, mais il sort d'où lui? Oh, putain, il m'a fait peur ce con. Ah ah. Mais pourquoi il me file des cartouches pour fusil de précision, bordel? Ah bah j'ai encore un truc pour m'augmenter ma barre de vie, ça peut servir. C'est vraiment un Kevlar qu'il me faudrait là. Bon, au moins on a récupéré le premier symbole. Oh. Y'a pas un autre truc dessus, non? Est-ce que j'en ai encore moins 9? Bon. Je pense que ça suffira. Bon, sinon je vais juste mourir dans votre souffrance. Où ça? Il est où? Il est où? Y'en a un qui me cherche. Ah bah non, ils sont là. Cette fois, je me ferai pas avoir. Oh ouais, bah si, je vais me faire avoir. C'est moi qui ai brisé la grille cette fois. Ouh, direct. Putain de grille. Ils peuvent pas te tenir aussi. Bon, on est reparti. Je vais essayer de récupérer tous les coffres cachés là-dedans aussi. Déjà. Ah non, ça c'est le mauvais chemin. Ah, là-bas il y a un truc. Yes. Ouh, ça c'est cool. Ouais, que 5. Bande de rapia. Tiga. Oh putain. Ah bah là ils ont compris le message, c'est du fusil à pompe que je veux. Oh, mais comme il est stressant ce passage. Ouais, le truc que j'en ai rien à foutre. Et là je vais atterrir où encore? Ah bah c'est bon. Wouhou.
Maintenant, un petit défi. Sortir de cet endroit vivant. Putain, il y en a trois. Oh, les salauds. C'est où là? Ah, la sortie la plus proche. On se tire. Ah. Putain, les animaux de compagnie, quoi, bordel. Moi, j'y retourne plus, c'est mort. Heureusement, il me semble pas qu'on en croisera encore des chiens. On combine. Et voilà. Ah, oh, saloperie de chien. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Voilà, voilà. Touchante réunion, mais je comprends quand même vraiment pas comment elle a pu survivre à Resident Evil 2. C'était un peu mal barré avec un scénario sur deux quand même. Enfin bref, ce qui est con, c'est qu'on peut même pas récupérer le chargeur qu'on a jeté par terre. Ça, c'est con. Bon, ça devait être la chambre de Salazar, juste à côté des animaux de compagnie. Ou alors pour des... Je sais rien. Ouais, peut-être la chambre de Salazar. Merde, marchand, ce que t'as raté. C'est con, ça, hein. Bah, il est pour moi. Récupérer tout ce qu'il y a à récupérer et ensuite on fait affaire. C'est tout, c'est tout. Sympa la chambre. Bah du coup je peux revenir sur mon pistolet. Il y a un mot. Sympa. Ouais, ce qui est évidemment cette salope, il n'y a pas d'autre mot de travail pour Wesker, le pire enfoiré de la série. Et c'est s'il récupère un échantillon du Plagas, c'est très mauvais. Welcome. Got some rare. J'espère que cette fois il a du nouveau. Moi je veux du lourd, du très très lourd. Is that all? Is that all? Mais oui, c'est tout. Is that all? Voilà. Je comprends toujours pas pourquoi il y a ces gemmes. What are you buying? Bon. Au moins ça. Thank you. Thank you. C'est tout. C'est tout. Rapia. Point, 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 point. Bon, tant pis. Le finisher me demande quand même quels sont ses avantages par rapport aux autres pistolets. Non, le Black Tie, pardon. Oui, c'est hyper fort des ennemis, et lui. Au maniement exceptionnel, mais ça. Ça m'en dit pas plus, quoi. Ça m'aide pas du tout au maniement exceptionnel. Pff, laisse tomber. Bah du coup je sauvegarde, on ne sait jamais.
Et ça repart. Pour ceux qui ne n'ont pas fait Resident Evil 2, bah, je vous conseille très vivement de voir le walk que j'ai fait sur tous les scénarios de Resident Evil 2 en plus. Et en fait, Ada, c'était une femme qui l'a aidé dans Resident Evil 2, mais qu'au final, elle s'est payée sa tête, c'était une espionne. Et que elle est soi-disant morte à la fin du 2, mais au final, si on regarde bien à la fin du 2, elle est pas morte, et elle aide Léon. Et plus de nouvelles depuis. Alors, regardez ça. Comme énigme, on doit gâcher une bonne bouteille de vin, quoi. C'est criminel. Mais avant, je vais déjà passer par là, il y a des trucs intéressants. Bon, pas ici, évidemment. Voilà, ici. Bon. Là, je suis sûr, je me rappelle qu'il y a au moins un pot où il y a un serpent dedans. Alors par contre, lequel c'est... Si je pouvais avoir un peu plus de cartouches d'avance, ça me rassurerait beaucoup. Voilà, ça c'est la porte qui était verrouillée tout à l'heure. Maintenant, on va pouvoir passer par ici. Plus pratique quand on aura Ashley avec nous. Voilà, c'est là-dedans, je crois. Non, bah alors c'est là-dedans. Ah ah! Tu m'as pris pour qui, toi? Je me suis fait suffisamment avoir par les serpents dans ce jeu, maintenant je sais où ils sont. C'était juste histoire de récupérer ces 2-3 merdes. On va revenir sur notre Ryugun. Là on va en avoir besoin, mais d'une puissance. Oh, ça alors, un coffre! Regardez la grosse cage de merde, quoi, ce piège. Le pire, c'est qu'on peut même pas récupérer la grenade qui est là-bas, non. D'abord, faut se prendre le piège. Ça pourrait être un piège tranquille s'il n'y avait pas, en plus, ça. Ah, putain. Mais dégagez. Oh la vache. Ah, mais dégage toi aussi. Voilà. Putain, mais dites pas qu'il a réussi à sortir. Pourquoi tu me saoules? Non, il est sorti, j'y crois pas. Dégage. Heureusement qu'il est complètement con. Il y en a même qui sont restés bloqués dans la cage, quoi. C'est pour dire. J'ai cru que c'était un ennemi, mais en fait c'est un élément du décor. Voilà, ça t'apprendra. Ouf, il est retourné dans la cage. Complètement con. Oh là, mais regardez en plus les serrures de malades qui nous ont collé pour qu'on reste enfermé là-dedans, quoi. Faut les exploser au fusil à pompe. Tourne-toi. Oh le con, il s'est tourné, quoi. Mais on peut pas décapiter ses potes. Allez, allez. Allez! Mais. Ah, mais ce con, il peut pas rester tourné! Allez! Allez! Oh, il m'a saoulé! Et non! Et non! Et voilà! Tiens, toi, je vais en profiter. Tiens, je vais venir te voir directement. Tu vas en chier, mon pote.
Mais lui il se protège avec les mains quoi, ils sont vachement intelligents ces zombies. Je sais, c'est pas des zombies. Ah, il y en avait un autre. Putain, mais d'où il sort lui? Putain, téléportation. Oh, apparition inexpliquée. Ouais, le harceleur, on sait. Quoi, il y en a encore? Oh! Mais. Vous en avez pas marre? Ouais. Mais ça suffit? Du brisé, tiens. Stop! Il y en a à l'infini, c'est pas possible. Un sablier au décor doré. Il y en a encore beaucoup là. Ah! Oh putain. Ça c'est un nouveau type de parasite en dehors. Vachement casse-couille. Ça c'est, on peut dire que c'est le parasite à l'état adulte quoi, à l'état final. Et quand on tue l'hôte, il sort le parasite. Ah merde. Putain. Tout ça pour ça. Et je n'ai toujours pas de plante rouge évidemment. J'aurais peut-être dû utiliser mes grenades. Ouais, je commence à en avoir pas mal de l'incendiaire là. Y'a rien d'autre? Bon. Vivement que je retrouve cette petite connasse de Ashley. C'est pas. Ah oui, là y'a un truc. Voilà, la bouteille devrait exploser, bah. Mais surtout, munitions. Magnum. Eh oui, c'est pour bientôt le magnum. C'est pas trop tôt d'ailleurs, parce que les boss, j'en chie un peu avec le fusil de précision. Qu'on est là. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas, je dis ça, mais... Ah merde, c'est fermé. Allez, je viens à vous, je suis sympa. Bon, et toi déjà, tu dégages. Toi aussi, tu dégages. Voilà, je vais tous me les faire au coup de pied. Mais tu vas pas me saouler longtemps, toi. Oh, j'en ai marre de ces mecs. Voilà, j'ai plus de vie. Dégage. Je peux pas te rendre utile et me donner une plante. Oh merde. Oh, en plus, c'est celui-là. Mais comme s'il avait eu le temps de m'envoyer ça en plus, c'est n'importe quoi. Recherche pas maintenant. Putain, j'y crois pas, j'ai un de ces bols moi. J'ai plus rien pour me soigner. Ah si. Je la garde au cas où je tombe sur une plante rouge. Que là j'aurai un bol pas possible. Raté du con. Voilà. Toi tu te crois intelligent d'avoir ton bouclier, mais pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière lui là. La vitrine. Voilà, c'est fini. Il avait rien sur lui en plus.
J'espère qu'il y a... En plus, je pense qu'il y a une plante rouge après. J'en chie là, mais j'en chie. Pas grand chose en plus. Oh non! Je me suis fait tuer par l'ennemi le plus pourri du jeu, quoi. C'est minable. Que du bol. C'est pas grave, on y retourne. Cette fois, je me fais pas avoir. Voilà. Ah, mais il peut monter ce con. Tu vas voir. Allez-y, je vous attends. Voilà, il y en aura pour tout le monde. J'y crois pas, les autres qui sont téléportés derrière moi, pareil. Là, si ça monte, on sait. Oh, il y a un truc. Là, rien du tout. Ce qui est chiant, c'est qu'ils arrivent par les deux côtés en fait. Tu vas voir, tu vas voir. En mode pyromane. Alors. Là. Et voilà. Et ils ont rien sur eux, quoi. J'ai niqué deux grenades et ils ont rien sur eux. Oh, sniper de merde, s'il te plaît. Allez! Vous allez voir, hein. Vous allez voir ce que vous allez voir, ce que vous allez voir, ce que vous allez voir. Oh putain! Bon, là, je peux. Je suis désolé, je peux pas me calmer. Voilà. Et un dernier. J'espère que maintenant c'est bon. Allez. Ça y est, putain. Bon, allez. On récupère tout ce qu'il y a dans la vitrine. Oui, c'est bien ce que vous avez vu. Tadam. Bon, là, il suffit de faire un peu de place quand même. Parce que ça prend de la place quand même. Mais bon, ça vaut tellement le coup. C'est gratuit, on va pas cracher dessus.
c'est tout. Bon bah il n'y a pas de plantes. C'est la misère. Pour tout ce que je me ramasse dans la gueule et pour être plus sympa quand même. Non, je peux plus remonter, bon. Bon, on va repartir. Oh, je vous jure. Je vais vraiment pas aider. Ashley, on sait toujours pas. Le point d'évacuation, on sait pas. Cunningham, pas d'infos. On n'est pas aidé, c'est moi qui vous le dis. Notre seul ami, finalement, dans ce jeu, c'est le marchand. Il est neutre, mais il est cool. Ah, des nouveaux trucs. Oh, une manette XL. Thank you. Non. Toujours pas de magnum. Toujours pas d'amélioration. À quoi tu sers? Je vais pas lui vendre mon lance-roquette, je vais le garder. C'est trop utile pour qu'on passe à côté. Ah oui. C'est bien ce que tu crois. Limite, je suis tenté de m'acheter un soin. Je vais pas craquer et me prendre un... Non, allez. Je vais sûrement le regretter, mais bon. J'ai l'habitude à force.